All right, I've run out of patience. Underoos! Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Vladimir Poutine. Tu sais ce que ça veut dire? Ouais, que le capitaine Quark n'est qu'un vendu. Let's go! Allez, let's go, let's go, let's go, let's go! Oui, oui, oui! Allez, 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 allez! Et prenez mon gars! Et prenez mon gars! Ouais, je vais reculer, ce sera bien mieux. Voilà. Ah, lui, il a réussi, tiens. Et je recule. Non, non. Oh non. Sauver notre sécurité quand même. Oh oui, oui mon gars, oui. Numéro 1, c'est qui? BBG de la merde, Fanta c'est de la merde, le jeu Ubisoft Battle Royale c'est de la merde, Fall Guys c'est le meilleur jeu, wouh! Aujourd'hui, tuto pour faire la différence entre un croque-monsieur et un panini. Donc, vous regardez directement sur Google et vous pouvez voir la différence. Donc, un croque-monsieur, c'est carré et triangle. Et enfin, le panini, c'est en forme de... je sais pas, mais surtout en forme de rectangle. Bon, après, j'ai pas tort, j'aurais dû mettre croque-monsieur avec un slash, avec jambon fromage, mais... regardez, ça c'est des panini quand même. Et regardez sur la miniature, c'est des panini. Je pense qu'il a dû juger le croque-monsieur avec ce petit fromage là. Ça va être ça alors. Thanks and have fun. Salut tout le monde, c'est Mario. I don't feel so good. Salut. Hey. Nice.
I want to tell you really something. You're all virgin. Because you are not subscribed to Dark House Reaching its channel. My Alsican cocksucker motherfucking son of a bitch. Bonjour, bonsoir, salut, c'est Zoogeek. Et aujourd'hui, c'est mon anniversaire, donc voilà, je tiens à vous remercier à tous les gens qui me souhaitent déjà joyeux anniversaire en avance, ou en retard, ou après cette vidéo. Voilà, en tout cas, je remercie aux meilleurs amis que j'ai eus pendant plusieurs années. Et maintenant, la question la plus importante, par qui je vais devoir... Okidoki. Là-bas. Ouais. Oula, fais gaffe. C'est bon, je me suis pas fait fort. On a encore eu de la chance. Ah, c'est la tante de Maria. Moi je suis jamais allé à Meeting Room, il y a une mission qu'il faut que je fasse là-bas en plus donc... Attends, qui c'est ce moi ? Parce que je connais pas les voix. C'est moi Hugo, Hugo Zero, le mec qui a un visage. Je porte contre-plainte pour manque d'humour, jalousie et incitation à faire un buzz pour faire un drama à 2€ chez Lidl. Non mais merci du coup pour le RT, ça fait plaisir. Moi pour l'instant je suis toujours coincé au tutoriel là. Mais le digipad je t'ai dit à la sortie du camion. Bah ouais mais je suis coincé du camion, il y a un code à mettre. Ah d'accord, il fallait juste que je l'ouvre. Putain, je me dis mais sortez-moi de là s'il vous plaît. Oh merde, le pauvre Hugo. Voilà, le super carton. Je vais tout casser. Pathétique. Et bonjour Twitter. Aujourd'hui, pour changer un peu, j'ai essayé de faire mon premier unboxing fan mail en lisant la première lettre. Je sais pas c'est quoi comme lettre, mais je pense que ça peut être possible que ce soit une lettre pour ma licence. Enfin, ça serait génial ça. Allez, je vais faire ça tout de suite. Alors, cher membre PsychoCorp, je t'envoie cette lettre par le bias de mon transport, Bloop le Gueux. Elle a pour but de te remercier de ta fidélité de zinzin à mon stream et à mon univers. Sanaf Psycho. Ça doit être un langage HTML. Voici quelques exclusivités. Pour finir, je te dis un grand merci pour ton soutien. Tu mérites ta place parmi tous les membres PsychoCorp. Nous sommes une grande famille, ce n'est que le début d'une aventure complètement baisée du crâne. Chaussure qui explose. Signé PsychoCorp. Je me suis trompé de licence ou
Thank you.